Un magnifique parcours. Le 9 mars dernier, Louis a été éliminé par Charlotte, l'actuelle maestro, dans N'oubliez pas les paroles. Mais le jeune homme, connu sous le pseudo d'Exakil sur YouTube, est entré dans l'histoire du jeu musical de France 2 en remportant le plus grand nombre de victoires pour un maestro. Il s'est en effet imposé à 65 reprises, ce qui lui a permis d'empocher la coquette somme de 358 000 euros. Une très belle cagnotte qui va lui permettre de réaliser de nombreux projets. Toutefois, comme il l'a confié lors d'un entretien accordé dans nos colonnes, Louis n'a encore pas dépensé ses gains car il vient tout juste de les voir arriver sur son compte en banque. Je ne les ai perçus, puisque si est-il la règle, qu'après la diffusion de la dernière émission. Si est-il donc récent. Je n'ai encore rien fait, a révélé l'ancien maestro, qui ne réalise toujours pas que cet argent lui appartient désormais, si est-il tellement étrange qu'on a l'impression qu'on va vous les reprendre. Point que va faire Louis de ses gains? Malgré tout, Louis a déjà une idée de ce qu'il va d'abord acheter avec ses gains. Dans un premier temps, on va changer de télé, de lave-linge, a-t-il indiqué. En revanche concernant son projet de voyage au Canada avec sa femme, le jeune homme se donne encore un peu de temps, car ils vont déjà avoir un programme bien chargé. Si est pour plus tard car grâce à l'émission, on a d'abord trois voyages à faire, une croisière en Andalousie, un séjour à l'île Maurice et un week-end spa. Et on ne peut pas prendre tout le temps des vacances, a-t-il expliqué. Même chose pour l'achat d'une maison qui n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Ce n'est pas la priorité absolue. On va d'abord rester là en habite pour des raisons professionnelles, a-t-il conclu. Interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Téléstar en kiosque et en version numérique ce lundi 3 avril 2023.